L'Opidum. La parole culturelle de Lectour. Bonjour à tous, nouvel épisode de L'Opidum, la parole culturelle de Lectour. Et aujourd'hui, nous allons parler musique, nous allons parler lyrique, on va également parler business. Et oui, oui parce que j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Estef. Bonjour Philippe. Mais bonjour Philippe. Je vais vous laisser vous présenter parce que vous avez un parcours incroyable. Vous avez à peine 35 ans, vous êtes artiste lyrique, vous allez nous expliquer l'héritage familial. Vous avez fait une grande école de commerce, vous êtes directeur artistique du festival Les Nuits Musicales en Armagnac. Oui. Vous êtes également le cofondateur de la compagnie lyrique décadée... Philippe, je vous laisse vous présenter. Vous avez tellement de casquettes que ça en est incroyable, mais vous êtes un véritable artiste. Je vous laisse vous présenter. J'ai déjà assez parlé, Philippe. Je suis déjà flatté avant même d'avoir commencé. Euh, non, non, non. J'ai euh, un parcours, effectivement, qui, qui est sur deux pans. Le pan euh, managérial, on va dire, et le pan art artistique. Euh, je suis né dans une famille de musiciens. C'est vrai que... Ben, mon père était chanteur lyrique aussi comme je suis il avait la même voix que moi d'ailleurs c'était un baryton et euh, mon grand-père lui-même était chanteur mais amateur mais euh, qui a fondé euh, qui a fondé euh, le lycée saint-jean euh, à Lectour et, euh, et qui a fondé aussi la chorale de saint-jean euh, de ce lycée et d'où sont sortis d'ailleurs pas mal de chanteurs lyriques actuels euh, notamment la grande star euh, Béatrice Uriamonzone qui a fait ses premiers pas ici donc ça c'est pour la marmite euh, familiale <laughs> la marmite euh, familiale euh, lyrique est vraiment très très liée à, à l'opéra donc je suis un peu né, né là dedans euh, ouais. mais c'est vrai que moi je voulais plutôt bosser dans le, le management culturel voilà c'est un mot un peu un peu pompeux pour dire que en fait j'avais envie de travailler plutôt pour des, des, des salles de, de spectacles vivants donc plutôt opéra plutôt théâtre danse euh, mais pourquoi pas musée aussi enfin en tout cas tout ça ça, ça me plaisait beaucoup et donc j'ai fait une enfin pour le parcours hein, voilà j'ai fait une école de commerce j'ai fait une prépa pour à Toulouse pour ça et puis une école à Nantes euh, qui s'appelle Audencia. C'est une très très belle école oh de là, commerce. Ah, si, 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 si. C'est vrai, il faut le dire. Soyez pas trop modeste. <laughs> tiens, je rebondis, j'ai fait moi-même une école de commerce, ben oui. à Rennes, non voilà. loin. Je me pose une question, comment vous prenez-t-on Vous étiez un peu un ovni, parce que à cet âge-là, on n'écoute pas nécessairement du lyrique. C'est vrai, mais, mais c'est parce que je n'écoutais pas Tant que ça de lyrique en fait, j'en faisais, euh, j'ai je, baigné là-dedans, mais pour le plaisir, c'est pas vraiment la musique que, que j'écoute. Et d'ailleurs aujourd'hui, bon, j'espère qu'il n'y a pas mon agent qui écoute l'interview, mais euh, j'écoute pas par plaisir euh, forcément euh, euh, de l'opéra, évidemment. Les très belles pièces, j'adore les écouter, mais moi sur ma playlist, il y a beaucoup plus de jazz que de que d'opéra. Alors vous l'avez dit vous-même, je vends la ouais. magie immédiatement. Vous vouliez être pianiste de jazz. Ben oui, je suis, un, je, suis un, je suis un frustré en fait. Moi je voulais je voulais être pianiste de jazz. C'est ça que j'ai travaillé le plus pendant pendant toute mon adolescence et, euh, et même en fait même une fois adulte, j'ai euh, j'ai continué à travailler le, le piano de jazz. Et en fait c'est pendant que j'ai quand je faisais mes études à, à Audencia, donc, oui. euh, Audencia a proposé à certains de ses élèves de faire ce qu'ils appelaient une API. C'est une année de projet individuel. En gros, c'est une année sabbatique, mais à la fin de laquelle il fallait donner un, un rapport de stage en disant j'ai pas fait que glander pendant un an. <laughs> euh, donc j'ai. Mais moi, j'ai décidé. Non, il fallait quand même faire un dossier un, un, un peu costaud. Et moi, j'ai décidé de faire cette API, cette année sabbatique, pour travailler le piano jazz. Et donc, je suis parti à Paris, travailler ça. Et ça, c'était entre ma première et ma deuxième année de Audencia. Et euh, je suis parti à Paris, mais essentiellement pour travailler le, le, le jazz. Et je me suis dit, allez, à côté de chez moi, il y a quand même un atelier lyrique proposé par le conservatoire du 12e arrondissement. C'était un atelier où des jeunes chanteurs lyriques pouvaient faire une production coachée par des par des professionnels. Donc, je me suis dit, allez. Au moins, j'aurai un rendez-vous sûr par semaine, <laughs> si ça marche pas trop euh, dans le dans le piano. Et, euh, et je me souviens d'avoir eu euh, ce sentiment un peu d'injustice, où ça a très vite marché pour l'opéra, alors que, bon, certes, j'avais travaillé ça de manière un peu passive, en ayant entendu beaucoup chanter chez moi quand j'étais petit, et, et, euh, et en ayant un tout petit peu travaillé ma voix. Mais ça a de suite très bien marché, on, a, on a commencé à me proposer des rôles. Alors que le piano jazz, que je bossais depuis dix ans, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des centaines et des centaines de pianistes de ma génération qui étaient bien meilleurs que moi. Je ne vais pas me plaindre, mais j'avoue que j'avais ce petit sentiment d'injustice de, de, de l'organe, en fait, de la voix qui, qui est un peu plus... Mais c'est quand même super drôle parce que vos copains qui jouaient euh, du jazz, qui ouais. étaient pianistes comme vous, ils devaient se dire, mais il a une chance inouïe d'être pris dans des rôles. Oui. Et on va en parler évidemment parce que vous avez joué, ça. entre autres, Don Giovanni, le, oui. rôle, le rôle phare, <laughs> le premier rôle. Il vous jalousait un petit peu ou pas bah, c'est à dire euh, ces deux mondes je dirais qui se croisent pas forcément beaucoup euh, là j'ai la chance d'être d'être très ami avec euh, avec un espèce d'ovni qui s'appelle étienne Manchon et qui est venu souvent au festival ici qui qui pour moi est un des rares à aussi bien euh, gérer le jazz que le, que le classique donc euh, donc il va, il va revenir cette année euh, non pas pour faire du jazz mais pour faire du classique. Euh, mais sinon, c'est vrai que c'est quand même deux mondes qui sont un peu euh, un peu à part. On va pas se mentir. Ah, on est on est bien d'accord et qui se parlent pas nécessairement. Non, hein. hélas, hélas. C ce qui est un peu dommage parce que finalement, ce sont les deux dernières musiques savantes. Mais on, on est bien d'accord et c'est 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 essentiellement pour ça que euh, depuis que j'ai repris les le festival des nuits musicales en Armagnac, euh, j'insiste pour qu'il y ait euh, du jazz euh, euh, au festival puisque c'est 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 plus qu'un cousin, c'est plus qu'un petit-fils, c'est que vraiment euh, le en plus, on, on, on a maintenant assez de recul sur le jazz pour que c'est pas seul, enfin, c'est plus seulement le classique qui apporte au jazz. Maintenant, ça y est, le jazz apporte au classique et apporte, apporte en tout cas aux compositions euh, dites classiques ou contemporaines. On est bien d'accord, et c'est ça que je trouve absolument sensationnel dans cette ère en 2024 où on mélange plein de choses. Enfin, il était temps. Justement, on va parler de votre actualité, Philippe. Mais vraiment, vous avez une actualité de rock star, si je puis dire, euh, du lyrique. Allez, on va commencer évidemment par la direction artistique du festival, okay. les nuits musicales en Armagnac. Vous venez d'en parler, donc mmh. vous insistez pour qu'il y ait du jazz, c'est normal. Mais expliquez à nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas de lecture il oui. y a deux trois personnes à travers le monde qui ne savent pas encore où est Lectour. C'est incroyable, c'est assez étonnant. Non, je, je pense que ça n'existe pas, mais dans le doute, théoriquement, imaginons. Et par respect pour eux, exactement. On va, on va <laughs> leur en parler. Est-ce que vous pouvez parler nous présenter un petit peu ce festival Bien sûr. On a reçu le formidable. Didier Rando, qui en est le président, notre mais président. Présentez-nous cette très très belle maison. Vous avez commencé là-bas à la com en 2009. Exactement. Alors en fait, même si si je suis honnête, enfin, j'ai même commencé euh, peut-être dès 4 ans à distribuer des tracts euh, <laughs> ou, ou à les mettre sur les chaises euh, ou à placer les chaises, puisque en fait c'est un, un festival... Euh, euh, familial, on pourrait dire, puisque c'était mon, mon grand-père était euh, un des premiers présidents de ce, de ce festival et, euh, et qui a été repris euh, ensuite, euh, on va dire de père en fils. Mais on en a chacun fait des choses assez différentes, en respectant ce, 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 ce qu'a fait les anciens, mais quand même on, on a fait des choses assez euh, assez différentes. Les Nuits Musicales en Armagnac, en quelques mots, c'est c'est un des plus vieux festivals de France euh, puisqu'il a 55 ans maintenant. Enfin, en tout cas, on va faire notre 55e édition. Euh, et c'est un festival qui est sur euh, six, com six communes du Gers pendant l'été. On fait une dizaine de dates, euh, dont la moitié de la programmation se fait à Lectour. C'est pour ça, c'est notre fief. C'est vraiment euh, une ville très, très importante pour nous. Et c'est là qu'on fait les, on va dire, les concerts les plus importants. Euh, mais les Nuusca en Armagnac, c'est aussi euh, une académie lyrique. C'est-à-dire qu'on forme de, de jeunes chanteurs à ce moment assez précis de leur carrière où euh, en fait ils sortent des conservatoires ou des grandes écoles de chant et ils ne sont pas encore sur les grandes scènes d'opéra il, il y a un gap que j'ai connu qui, qui, qui est pas évident où on nous forme à, à jouer des rôles dans lesquels on ne nous embauchera pas donc <laughs> donc, donc euh, et puis surtout on, on, on sort avec beaucoup d'apprentissage théorique et technique sur le chant et on sait pas forcément très bien mettre un pied devant l'autre euh, sur scène donc nous on Oh, allez, euh, modestement, mais mais quand même euh, avec ambition, on a monté euh, cette académie lyrique où on fait pendant quelques semaines euh, dans l'année des, des semaines de coaching qui sont complètement offertes aux, aux élèves. Même leurs repas et leurs hébergements sont, sont pris en charge et ils sont euh, et ils sont formés par par des grandes stars euh, internationales du chant. Euh, on a eu Béatrice riemann donc dont j'ai parlé tout à l'heure, puis Léontina Vadouva, on a eu Yann Beron et cette année c'est Nicolas Courjal qui va donc voilà, c'est quand même que des noms de de, de stars, on peut le dire, euh, qui, qui vont coacher ces, ces jeunes chanteurs. Et sur le festival lui-même, pardon, c'est vrai que je me suis rendu compte que je suis passé un peu vite. Euh, c'est une dizaine, le festival d'été, c'est une dizaine de dates et ça va du, du grand concert symphonique. Par exemple, on ouvre toujours le festival avec euh, avec euh, l'orchestre national du Capitole, donc qui est quand même un, un des meilleurs euh, orchestres du monde et, et je, je, je peux le dire en connaissance de cause. Là, je sors d'une production avec eux. Euh, un Rossini que je viens de faire à, au Théâtre du Capitole. Et c'est vrai que même le chef italien qui dirige les plus grands les plus grands orchestres du monde me disait à quel point cet orchestre est absolument extraordinaire. Donc, on fait des grands concerts comme ça. On fait aussi des, des plus petits formats, euh, comme des récitals de mélodies, mais aussi euh, des créations, euh, comme par exemple, euh, cet été, on va donner une création qui s'appelle « Chemise de nuit », c'est-à-dire que c'est un récital de mélodies de Poulenc, mais chorégraphié par une danseuse contemporaine. Euh, donc euh, on essaie de marier un tout petit peu pas seulement les genres mais, mais aussi euh, les différents arts euh, et de proposer un peu plus de, de création je dirais que le troisième aspect des nMA c'est ce qu'on vient de créer qui est la compagnie des cadets. la compagnie des cadets, en fait nous on est un, on est un festival mais c'est quelque part c'est un festival qui est dirigé par des artistes donc on fait de la diffusion, évidemment, on prend des groupes extérieurs qui ont des qui ont des programmes tout prêts, mais on, on a toujours tenu à créer aussi des choses et faire des choses nouvelles au festival, et puis surtout à fidéliser certains artistes, notamment ceux qu'on forme euh, dans l'académie. Et comme ces petites créations qu'on faisait, on les on les faisait en one shot un peu pendant l'été, on s'est dit ça c'est quand même un peu dommage parce qu'on a tous les outils et euh, toute la compétence et puis surtout l'envie de diffuser ces spectacles. C'est pour ça qu'on a fondé la compagnie des Cadets. Qui répond en fait à trois besoins essentiels, qui sont la diffusion dans les territoires ruraux de spectacles lyriques dans un format acceptable pour des pour des petites villes, pour que, que les petites villes puissent les accueillir. Exactement, on est d'accord. L'opéra, ça, 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 ça a beaucoup de qualité et ça a un gros défaut, c'est que alors c'est le défaut de sa qualité. L'opéra, c'est la réunion de tous les arts le chant, le théâtre, la littérature, mais même la peinture pour les décors, ça, enfin, même, la, même la technique, il y a même la vidéo maintenant qui est intégrée dans, dans, dans les opéras. Donc ça c'est magnifique et ça ça coûte très cher. Et euh, surtout quand c'est euh, quand c'est accompagné par un grand orchestre euh, pardon, pas, par un grand orchestre d'opéra national. Euh, nous on a décidé de faire des créations à partir d'œuvres d'opéra, mais en en format beaucoup plus léger, accompagné par un ou deux instruments, et ce sont souvent des adaptations ou même des créations, puisqu'il faut que l'opéra se renouvelle. Hein. C'est pas juste un, un musée vivant. Euh, et, et donc voilà, première chose, c'est irrigation du territoire avec de, des petits spectacles d'opéra. Ensuite, on essaie de d'éveiller de, les plus jeunes grâce à l'opéra. On est bien d'accord. Il faut aussi rappeler oui. que l'opéra plaît énormément aux jeunes. Ça n'est pas une musique de vieux, ah, bien surtout pas. L'opéra, c'est aussi quelque chose de très abordable. On peut aller voir un opéra pour 10 euros. Mais bien sûr. Bien on, sûr. Est bien on, ça, est on est bien d'accord. On est d'accord. Et ça, je trouve que c'est absolument sensationnel. Les jeunes n'aiment pas que la musique électronique, le rock mmh. ou le hip-hop ou bien la sûr. pop euh, faite de télé-réalité. Ils aiment aussi l'opéra. C'est génial, ça. Mmh. Comment mmh. c'est pris, justement, quand vous allez parler à cette jeunesse Alors, en fait, on n'a jamais été déçus de la réaction des des, euh, des plus jeunes euh, euh, face à l'opéra c'est ça c'est quelque chose qui est assez extraordinaire bon déjà je pense que y a un côté un peu euh, un peu exponentiel dans le nombre d'arts impliqués il y a toujours quelque chose auquel se raccrocher même si on n'accroche pas avec la technique vocale ou si on trouve que euh, la musique euh, elle-même euh, de certains compositeurs ne nous plaît pas il y a toujours un des aspects de l'opéra qui qui nous ramène en fait à, qui nous ramène au, au cœur de l'œuvre et qui plaît les jeunes sont bon on, on le sait à hein, chaque fois qu'on fait découvrir quelque chose aux, aux plus jeunes si on le fait avec avec intelligence ça ça ils partent avec beaucoup moins d'a priori que nous et en fait l'opéra Bon, là après, on va on va toucher à un sujet sensible où je vais peut-être me fâcher mes, mes futurs employeurs, mais euh, c'est surtout ce qu'on en a fait de l'opéra qui qui, qui qui a fait cette distance où on croit que à l'opéra c'est se mettre une queue de pisse, c'est c'est euh, c'est que des cocktails, des champagnes et et, euh, et puis du fric balancé. En fait, soyons honnêtes, parce que dans les grandes villes, dans les dans les dans dans les grandes productions, il euh, y a quand même un, parfois un écart entre euh, entre ce qu'on peut offrir et ce que ça coûte. Et euh, moi je suis plus pour parler de l'opéra en tant que genre artistique, c'est juste enfin re revenir aux bases. L'opéra, c'est pas forcément des prod qui coûtent euh, des centaines de milliers d'euros, l'opéra c'est une œuvre chantée et jouée en même temps et acoustique. C'est peut-être la seule différence avec la comédie musicale si on va là. Mais j'aime bien revenir aux bases, c'est ça. Et à partir de là, on peut le faire dans tous les formats qu'on veut et ça marchera. Et ça plaît également aux jeunes. Et puis de l'autre côté, mmh. toujours avec la compagnie lyrique des cadets, oui. il y a nos seniors. Ah, nos exactement. Élèves. Et exactement. ça, c'est super d'avoir pensé à eux parce que, allez, expliquez-nous ce que vous allez faire dans les EHPAD, c'est génial. Mais en fait, euh, c'est vrai qu'on a, on a, on a vraiment mis un accent là-dessus, à la fois d'éveiller les plus jeunes, euh, grâce à l'opéra, à tous les arts, mais on a une certaine tristesse en fait pour pour ces résidents d'EHPAD qui euh, qui étaient nos spectateurs il y a pas si longtemps en fait hein, on va pas se mentir hein. ils venaient et de se dire que aujourd'hui on, on connaît tous les, les, les conditions et les, les baisses de financement notamment notamment dans les EHPAD, et, et notamment le, les budgets animations puisque ce sont des animations les budgets animations dans les EHPAD sont 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 trop faibles pour leur donner de vrais spectacles euh, ou si ce n'est que que par, par, par des initiatives bénévoles et amateurs, que je ne critique absolument pas. Mais c'est assez terrible de se dire que ces résidents des PAD sont condamnés à ne plus voir d'artistes professionnels parce qu'ils sont dans ces établissements. Donc là, évidemment, il a fallu trouver une solution et trouver un gap entre ce que coûte un concert lyrique et euh, ce que un EHPAD peut mettre comme sous et donc c'est donc on, on est ravi d'avoir trouvé la fondation Crédit agricole Pyrénées-Gascogne qui nous aide à financer une dizaine de concerts en EHPAD par an pendant trois ans donc c'est des vraies saisons et on va on va arroser tous les tous les EHPAD du Gers euh, avec mais avec des des, des chanteurs professionnels qui joueront dans le festival quoi donc de, de en fait on, on leur fait venir à domicile des vrais chanteurs d'opéra et pas et pas euh, genre, des bah, chanteurs euh, d'opérette Oui, oui eh, alors <laughs> l'opérette alors, c'est euh, c'est c'est un genre aussi alors je suis je suis d'accord pour l'expression mais euh, on va se battre sur l'opérette parce que j'adore ce genre-là, en fait. C'est vraiment de loin vraiment de moi l'idée de de, de de critiquer, <laughs> mais c'était juste pour le bon mot. Et le bonbon bon bon... marche très bien, je reconnais. Votre <laughs> bon cœur vous perdra, Philippe. <laughs> Philippe, vous avez été très altruiste. Je trouve que c'est absolument génial et félicitations. On va on va citer votre sponsor. Allez-y, redites-le. Ah, la Fondation Crédit Agricole pyrénées gascogne qu'on remercie encore pour ce soutien. La Alors. Gascogne terre de cœur. <laughs> mais justement, vous qui êtes un homme de cœur, vous venez de le prouver en, en le disant à l'instant même. Votre actualité, hum. quelle est-elle Vous avez parlé. Des autres. Oh. Mais, mais votre actualité, oh. j'ai ouï dire, tiens, 13, euh, 13 juillet prochain. Ah oui, 13 juillet prochain, ce euh, sera le, le fameux Requiem de Forêt. Donc là, on est dans l'année Forêt, on est 100 ans après, euh, après la mort de, de Forêt. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de, de Requiem qui, qui, qui se font et j'ai la chance de, de chanter euh, mais cette magnifique partie de baryton solo. Euh, là, ce sera avec le chœur de, du Capitole, et ce sera à l'abbaye de Boulor qu'on va donner ça. Et, euh, et pour, ma, pour mon actualité avec le Requiem de Forêt, justement, il y a un disque qui va sortir. Enregistré, je je l'ai enregistré avec, euh, avec Harry Niquet, euh, et donc je suis, je suis très très content. Euh, il me tarde de <laughs> que le disque sorte, parce que depuis que j'ai enregistré, je ne l'ai pas entendu. Mais, mais je suis très très fier de, très, très fier de ça, parce que c'est vrai que c'est une de mes œuvres favorites, même, même, si, même si elle est euh, extrêmement connue. J'ai voulu dire qu'il y avait de la Corse, il y a du concert encore. Il, la... il y a du concert en Corse, évidemment, et, euh, et, ça, et il y a un lien avec la Gascogne, euh, avec, euh, avec l'Armagnac, si si, puisque euh, ce sera avec le Quatuor Opal, donc euh, un Quatuor constitué de, de quatre euh, chanteurs lyriques euh, qui évoluent sur les scènes nationales. Donc moi j'en fais partie, mais on a aussi euh, Jennifer Coursier en soprano, Eleonore Pancrasi en mezzo et Angérandeis comme ténor. Et, euh, et le lien avec, avec l'Armagnac, c'est qu'en fait, c'est un, un quatuor qui a vu le jour l'an dernier au Nuit Musica en Armagnac. C'est là qu'on a fait notre premier concert à Condon. Ouais, écoutez, félicitations, c'est un peu les Beatles. Oui, voilà, on va dire ça, c'est <laughs> les Beatles du, du, du lyrique. Wow. Ben, c'est pas mal ça. Je le disais en introduction, vous avez un parcours qui est absolument hallucinant. <laughs> bon, vous êtes nés, vous êtes un peu comme euh, l'Obélix. Vous en faites trop. Non, non mais c'est y croire mais non, mais non, mais, <laughs> mais Très sérieusement, je ne suis pas convaincu que vous ayez beaucoup de collègues qui aient fait Audancia, une si bonne école. Bon, je pense qu'il y en a plus d'un qui sont nés comme vous dans la marmite de oui, l'opéra oui, du lyrique. Oui. Bon, la carrière de pianiste, c'est n'est pas pour vous. Bah Her non, Hancock. je non, suis triste. Euh, hein. Oui, je vous comprends. Bah mais non, je suis un frustré. Hein. Bah c'est oui, pour, bon. pour ça que je bosse autant, je crois. C'est parce que je, je suis complexe de ne pas avoir réussi ça. Ah bah, qu Qu'est-ce <laughs> que vous voulez que je vous dise, Herbie Hancock, <laughs> si tu nous entends ouais, alors, on, ça. On, on vous embrasse, évidemment, cher, cher Herbie. Mais justement, vous qui avez joué dans Giovanni, oui. Vous qui avez une vraie carrière, vous avez joué partout à travers le monde. Oh. Quel conseil vous donnez à un jeune? Justement, les jeunes que vous côtoyez. Ah. Quel conseil vous lui donnez s'il a envie de se lancer dans cette musique? Quel opéra? Quel conseil vous lui donnez? Bah alors, alors, première réaction, ça fait mal parce que du coup, c'est vrai qu'avec votre question, je me rends compte que je suis plus un jeune chanteur. <laughs> non, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai mais je le vois parce qu'en plus j'organise l'académie. Non mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'organise l'académie et c'est vrai que je vois il euh, y a un moment où quand on a commencé l'académie, j'étais encore à j'étais encore sur l'âge limite d'entrée pour l'académie elle-même. Donc alors je vous rassure, moi je ne coache pas pendant l'académie, je fais venir d'autres d'autres qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Mais un conseil que je leur donnerais aujourd'hui, c'est de bien réfléchir aux, aux objectifs qui se donnent dans leur carrière, c'est-à-dire qu'il que, il peut y avoir différents types de carrière. Et, 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 et différents types d'opéra c'est ce que je disais un peu tout à l'heure quand je disais que l'opéra moi j'aime bien le ramener à ce que c'est à la base en tant que matière artistique et pas seulement en tant que grand bâtiment qui n'est que dans les dans les capitales européennes parce que bon il y en a qui ont la flamme et qui ont ce mental de sportif et je trouve ça je trouve ça admirable euh, et de se dire non, moi je ne veux toucher que aux plus grandes maisons, faire les plus grands rôles. Et là, je vais leur dire le, peut-être le seul conseil que je leur donnerais, c'est attends-toi à ne pas avoir de famille. C'est un peu abrupt, mais c'est mais c'est mais c'est je crois que c'est le plus sincère. Enfin, pas de voir de famille non allez, pas avoir de vie de famille. J'exagère, ne pas avoir de vie de famille. Et allez, je vais encore mettre un peu d'eau dans mon <laughs> dans mon vin. Pas de vie de famille classique parce que parce que moi, enfin soyons honnêtes. Hein, moi, mon début de carrière a été euh, très difficile pour ça. Euh, moi qui suis en plus un, un vrai Gascon attaché à ma terre et, et, à, et à ma famille, euh, ben de passer des années où on est huit euh, mois de l'année euh, hors de, de chez soi. Euh, moi qui ai une petite fille qui a six ans aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai commencé à faire des choix. De, et notamment euh, mon engagement avec les musiciens d'Armagnac, qui me permettent de baliser quelques instants dans l'année au moins où je sais que je suis chez moi. Ça, ça fait partie de ces choix c'est aussi euh, donc des choix euh, évidemment euh, budgétaires j'ai envie de dire puisque c'est quand même pas les mêmes revenus mais en tout cas voilà pour moi on peut être un artiste sans forcément être un sportif et euh, on, on peut aussi choisir différents types de carrières, est-ce qu'on aime le challenge, est-ce qu'on aime faire de l'opéra et dans ce cas là rien ne nous oblige de travailler que dans les opéras nationaux je pense qu'il faut euh, bien réfléchir à ces obje objectifs là il euh, n'y a pas un profil, un profil type pour faire ce métier là une question qui peut oui. paraître un peu ovnisque, si je puis dire. Oui. Si vous aviez la possibilité de faire un duo avec un autre artiste ah. qui chante, qui est hors du cadre, okay. opéra, ce serait avec qui Un chanteur Comme vous voulez. Ah, je pense que ce serait. Euh... Alors si, si ça doit être un chanteur, je pense que ce serait Chris Tilly, qui est euh, qui est un mandoliniste, un mandoliniste, euh, un mandoliniste euh, de jazz. Enfin d'un peu tout d'ailleurs mais il est absolument absolument extraordinaire et il a une voix géniale et, euh, et si c'est pas forcément un chanteur dans ce cas-là mais c'est sans hésiter je m'inscris pour faire euh, toute une saison de concert avec Brad Meldo le, 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 le meilleur puisqu'en plus en plus en plus il il, il il accompagne très bien le classique aussi il a composé des cycles de mélodies il a là euh, j'ai travaillé l'an dernier à l'opéra comique avec Yann Bostridge qui est un, qui est un, un ténor euh, anglais euh, qui a enregistré des disques avec euh, avec Brad Meldo et qui a fait notamment un disque où il y a enfin en tout cas une série de concerts. Je, sais plus, je crois que dans le disque ils ont pas gardé mais il y a les Dichterlieder de de Schumann et des pièces écrites par Brad Meldo qui sont entre le jazz et, et le classique. Donc mon choix c'est Brad Meldo. Brad si tu m'entends je suis là je suis là quand tu passes à Marciac, passe me voir à l'écoute voilà Brad si tu nous entends Brad Meldo qui est un homme qui a énormément de goût qui est bon qui est un génie on va l'avouer c'est pas génie qui est un mec très jeune épuisé et qui était capable de faire Radiohead de manière absolument sensationnelle Karma Police bien sûr vous irez taper Brad Meldo Paranoid Android aussi par Brad Meldo absolument extraordinaire il a repris plein de thèmes de Exit Music pour film aussi de Radiohead non mais il en a repris pas mal c'est un homme de goût et oui Meldo s'inscrit M E L D H-A-U-Brad, oui. B-R-A-D. C'est un type absolument incroyable. Dernière question, oui. pas des moindres, Philippe. Ah. Vous êtes natif d'Agen Oui. Ça arrive à des gens bien. Oui, ça arrive. Oui, enfin, je crois, j'espère, s'il vous plaît. Vous avez fait vos études en prépa à Toulouse. Vous avez fait vos études en prépa à Toulouse, Tout à fait. Félicitations, vous avez vécu presque en Bretagne. Je dis presque en Bretagne. Ouais, attention. ouais non, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas entrer <laughs> sur ce terrain-là. Non, non, là, non, je, je tiens ma vie quand même. <laughs> à Nantes. <laughs> Mais si je vous dis Lectour, vous me répondez quoi du tac au tac Lectour Oh, Pépé. Je suis désolé, je vais répondre Pépé. Pour moi, Lectour, c'est chez Pépé. C'est tout. Voilà. Eh bien, écoutez, Philippe, <laughs> c'est sur cette note avec Pépé, votre grand-père. Ah mais non, mais qui est à l'origine de tout ça en plus hein. Autant de, 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 de nos carrières artistiques dans la famille que des musiciens musicales en Armagnac puisqu'il était à la création. Donc en fait, ça tient la route, Pépé. Mais vous êtes fort c'est fort. Vous savez, on a toujours besoin d'avoir un grand-père, surtout quand il est bâtisseur d'un ah ouais. si beau festival depuis <laughs> 55 ans. En tout ouais, cas, 55e ouais. édition. Ouais. Philippe, je tiens à vous remercier. C'était absolument passionnant. Ouais, merci beaucoup. C'était un plaisir. Ah bah, plaisir partagé. On avait eu Corinne Fructus l'année dernière. Ah, la bien. belle Corinne que, que j'apprécie ah énormément. Oui, Et on a bien travaillé. Eh ben, comme ouais. quoi, le monde est petit. Même si Lectour est la capitale mondiale de la culture. Tout à fait. On, on est, est bien, bien d'accord. On est bien d'accord. Francis Ford Coppola, ce, ce, <laughs> ce, ce languit de revenir. m'a-t-on dit, je reviens du sérieux. C'était absolument passionnant. Le parcours, encore une fois, je le dis, il est incroyable. 35 ans. Vous, je vois que vous êtes un, un vieux, un vétéran. Mais ouais, ça balais. y est, ça y est. Non, mais alors ce qui est bien. Et alors, pardon, hein, je j'ajoute un peu de temps, mais pour les baritons, on a de la chance. La, est, la, la nature est pas, est pas, est pas. Euh, et pas très juste, parce qu'en fait, pour les baritons, euh, 35 ans, c'est un peu le début de la carrière. Là où c'est plus compliqué pour les sopranes. Enfin, 35 ans, c'est un très bel âge pour les sopranes, mais une soprane ne commence pas sa carrière à 35 ans. Moi, j'ai un peu le temps de voir venir et d'arriver de plus en plus vers les rôles de méchants. Exactement. Voilà. Les ça, ça, ça me plaît joueurs. pas mal, ça. Eh ben, bah, écoutez, félicitations. Alors, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu la musique, Jim Morrison était baryton et Dave Gann, le chanteur de Dépêchement, qui est bien plus vivant que Jim Morrison, est également bariton. Donc. Qu'est-ce que vous que je vous dise? C'est la plus belle des voix. <laughs> voix grave. La voix masculine. On peut faire aussi le gentil en ayant une voix grave. Mais c'est vrai que dans les opéras, c'est plutôt le méchant. Ah, c'est bien. Le papa ou les méchants? Ou le papa méchant. C'est souvent ça. <laughs> ou le méchant papa. Voilà. Chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une épée, un homme fantastique, un homme qui est jeune, qui a fait une école de commerce, qui a voyagé à travers le monde avec son oh là là. métier, qui crée des compagnies. Qu'est-ce que vous que je vous dise? Et qui va parler aussi bien aux juniors qu'aux seniors de l'opéra. Même si, quelque part, il est un peu frustré. <laughs> Mais non, je me venge, je me venge en, en, en faisant venir les meilleurs artistes de jazz à Lectour. Exactement, toutes mes félicitations. Donc oui. un jour, j'espère que vous chanterez peut-être de l'opéra en vous accompagnant en piano jazz. Oui. Ce sera absolument génial. Ou avec le mandoliniste. Oui. Mais en tout cas, chers chers auditeurs quand vous entendez un jeune homme aussi formidable, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Vous vous abonnez à l'opidum, la parole culturelle de la ville de Lectour. Et Philippe, on vous dit à très très vite sur toutes les scènes, hein, dans la Lomagne, à Lectour, à Toulouse et partout à travers. <laughs> Merci à vous et à très très vite pour un nouvel épisode à de L'Architecture.